Des textes chinois, vieux de 16 siècles, ont révélé la présence, en l'an 166 de notre ère, de Romains au cœur même de la Chine. Selon ces chroniques, ils auraient été mandatés par Rome pour établir des relations avec l'Empire des Han. Ambassadeurs ou simplement marchands? Peut-être les deux. Mais comment était-il arrivé jusqu'en Chine? Le 5 février 1964, une formidable nouvelle surprend la communauté archéologique de Rome. Le corps momifié d'une fillette, inhumée à l'époque romaine, a été découvert dans un sarcophage de marbre. La dépouille est aussitôt soumise à des examens scientifiques approfondis. C'était la première fois que les chercheurs disposaient d'une momie romaine. Une cinquantaine d'entre eux, parmi lesquels des médecins et des archéologues, ont entrepris d'en savoir le plus possible sur cette fillette. Pour connaître au plus juste son âge, ils ont d'abord examiné sa dentition, puis fait une radiographie de ses poignets. Ils ont réussi à déterminer qu'elle avait 8 ans. De son côté, le professeur Ida Rapinesi s'est attaché particulièrement à l'étude de sa tunique et à l'étoffe de ses vêtements. Une étoffe essentiellement faite de lin brut et imprégnée de résine de pin, visant à conserver le corps de la fillette. Les fibres de sa tunique ont été observées au microscope. Ses parents avaient déposé auprès de la fillette deux poupées, l'une en ivoire, l'autre en bois exotique, toutes deux d'origine indienne.
avait laissé autour du cou son collier en or. Orné de 13 saphirs provenant de Ceylan. Ses vêtements étaient tissés de lin et de soie. À Rome, on aimait le blanc traditionnel des vêtements antiques, enrichi d'ornements de couleurs, de motifs verticaux, pourpres et violets. Selon la classe sociale à laquelle il appartenait, le Romain était vêtu de manière différente. Le pourpre et l'or pour les classes supérieures, le lin pour les classes moyennes, à laquelle appartenaient la fillette et ses parents. Ces familles qui bénéficiaient de la prospérité de l'Empire romain, alors à son apogée. Sous le règne de son premier empereur, entre 27 avant notre ère et l'an 14, l'Empire romain est au fait de sa puissance. La fortune de Rome provenait essentiellement des profits de guerre et de l'exploitation économique des territoires conquis. Le forum, où se retrouvaient les Romains, était le cœur de la cité. Il était bordé de somptueux édifices de marbre. Ce premier empereur, c'est Auguste. Il a fixé les frontières de l'Empire et établi la Pax Romana. Rome lui doit sa richesse. Apparaît une aristocratie terrienne, des gouverneurs coloniaux, des généraux victorieux qui disposaient de fortunes si considérables qu'ils ne savaient comment les dépenser. Pour la première fois de l'histoire, l'Empire qui s'étendait de l'Atlantique à la mer Rouge bénéficie de 2 siècles de bien-être. Rome frappait sa propre monnaie en pièces d'or, qui circulait dans tout l'Empire et assurait les échanges avec les pays lointains. Fondu, le précieux métal était coulé dans un moule, puis était frappé, à l'image de cette pièce, à l'effigie d'Auguste. Mine de Las Meduras, située au cœur de l'Espagne. C'est ici qu'était extrait l'or qui servait à fabriquer ces pièces de monnaie. Les roches érodées portent encore les marques des outils des esclaves romains. Seuls les esclaves descendaient sous terre, lieu considéré comme maléfique. Le professeur Sanchez Palencia nous guide dans cette mine. Ce que vous voyez ici, ce sont les restes des galeries minières creusées par les Romains. Le procédé d'extraction utilisé à l'époque est celui qu'on emploie encore de nos jours. Le sable aurifère est plongé dans l'eau. Les paillettes d'or plus lourdes restent au fond du récipient. Les Romains, réputés à juste titre comme des ingénieurs de premier ordre, avaient mis au point un procédé d'extraction original. La découverte des traces d'une voie d'eau proche du sommet de la montagne conduit à comprendre le processus inventé par les Romains. Il consistait en la libération soudaine de fortes quantités d'eau du sommet de la montagne qui produisait un jet puissant de boue chargé d'or. Il n'y avait plus qu'à tamiser. Pour l'Empire romain, Las Meduras était primordial. L'or extrait dans ces mines a profondément modifié la structure économique de l'Empire romain et transformé la vie des habitants de la région. Thank you.
Sous le règne d'Auguste, une quantité considérable de pièces d'or circulait dans tout le bassin méditerranéen et jusqu'en Inde. Forum de Rome, le temple de Saturne. Des chroniqueurs de l'Antiquité ont rapporté que le trésor romain y était déposé. Selon eux, il renfermait plus de 500 tonnes d'or. Ces réserves servaient aux dépenses publiques et surtout aux campagnes militaires. Elles garantissaient aussi les échanges. Sous le règne de cet empereur, la richesse prodigieuse de Rome provenait essentiellement du pillage et de l'exploitation des pays conquis. Elle est à l'origine de l'essor de son commerce. Les caravanes reliaient l'Orient lointain au port de la Méditerranée, un voyage de plus de 11 000 km semé de dangers. Elles devaient affronter les Huns, pilleurs impitoyables, qui parcouraient l'Asie au gré de leurs raids et faisaient régner l'insécurité le long du parcours. À partir d'Antioche, les marchands transportaient leurs produits vers l'Asie par voie terrestre, à travers les steppes et les cols enneigés des montagnes d'Asie. Puis ils traversaient le désert de Taklamakan pour parvenir à Luoyang, capitale de la Chine. Sur le trajet, des intermédiaires s'imposaient entre les Romains et les Chinois. Les Parthes, une tribu iranienne qui occupait la Perse. Elle était constamment en guerre avec les Romains pour le contrôle de cette route. Atra était un de leurs relais commerciaux. Elle connaît un essor considérable grâce à sa situation d'étape obligée des caravanes entre Rome et la Chine. Les Parthes, sédentarisés depuis plus de deux siècles sur les ruines de l'Empire perse, exercent sur le commerce caravanier des pressions de plus en plus fortes. Entre eux, qui alourdissent de commissions exorbitantes le prix des marchandises, et les Huns qui coupent les routes, la voie caravanière devient impraticable. Ce constat va conduire les Romains à chercher d'autres passages. Rome. De très nombreux temples, de vastes places, des arènes, des bains publics, des maisons particulières équipées d'eau courante. Fondée en 753 avant notre ère, elle est l'héritière de la civilisation grecque qu'elle propagera en Occident. Il y a deux millénaires, elle est une des métropoles les plus peuplées de l'Antiquité. Le plus grand moteur du commerce de l'Empire romain, c'est l'énorme population de Rome. La capitale de l'Empire avait, pense-t-on, très généralement, autour d'un million d'habitants. Il faudra attendre le XVIIIe siècle en Europe pour qu'il y ait une ville aussi grande, Londres, et le XXe siècle pour qu'il y ait une ville aussi grande en Méditerranée. Par conséquent, il a fallu ravitailler cette population absolument gigantesque pour l'époque, et Rome était à une trentaine de kilomètres de la mer. Si Rome a pu exister, c'est qu'on pouvait remonter le Tibre en bateau. Et Ostie, c'est l'embouchure du Tibre. Et voilà comment Ostie est née, parce que Ostie, c'est le contact avec la mer. À l'origine, petite ville portuaire, elle devient sous Auguste un port important et dynamique. Elle reçoit d'Égypte le blé destiné à Rome et attire des marchands venus du plus loin de l'Empire. Sur la place du marché s'ouvraient des échoppes au sol décorées de mosaïques tenues par des commerçants aussi bien phéniciens que grecs ou égyptiens. Les bateaux débarquaient l'huile et le vin importés de Grèce, les denrées exotiques d'Alexandrie. Les marchands africains livraient des esclaves et des fauves destinés aux harems. Des ports de Phénicie, le Liban d'aujourd'hui, où aboutissaient les routes caravanières, déferlaient épices, pierres.
pierres précieuses, soie. L'imagerie virtuelle a permis de reconstituer Ostie, dont la place du marché comptait 34 échoppes. Outre les denrées nécessaires à la vie quotidienne, elle proposait de la verrerie égyptienne et de la vaisselle peinte par les artisans corinthiens et athéniens. Le port était un centre d'affaires où se rencontraient marins, armateurs et commerçants. Ils se réunissaient dans des tavernes comme celle-ci, où pouvaient se rassembler une vingtaine de personnes. On y menait des transactions, on échangeait des informations sur les provinces lointaines. Les négociations se conduisaient dans toutes les langues. Le marché bruissait des cris et des appels des marchands de toute origine, conférant à la ville cette atmosphère cosmopolite, propre au port. Le développement économique d'Ostie a naturellement entraîné la construction de maisons destinées à loger une population de plus en plus nombreuse. Ce bâtiment de 4 étages comportait plus de 40 pièces, mesurant chacune entre 50 et 200 mètres carrés. Certaines étaient habitées par des familles de 7 ou 8 membres. Le soir, on pouvait se rendre au théâtre. Ostie représentait le symbole de la Pax Romana. Madrague de Gien, sud de la France. Nous, on savait qu'il y avait quelque chose qui accrochait, ni plus ni moins, c'est ça. Ça nous gênait pour la pêche, quoi. Mais autrement, on ne savait pas que c'était une épave. Hein. Pas du tout, même. Le professeur Patrice Paumet, du Centre de recherche méditerranéenne de l'Université de Provence, a participé aux recherches. Il a étudié la carcasse du navire qu'il a reconstitué. L'épave de la Madrague de Gien a été découverte par la Marine nationale française. Et très rapidement, nous avons eu le sentiment que c'était une épave extrêmement importante, sans doute l'une des plus importantes épaves romaines jamais découvertes. Seulement, on ne voyait pratiquement rien, car l'épave était entièrement recouverte par les sédiments, par le sable et la vase. Et c'est à la suite de prospections que nous avons acquis la certitude que c'était un très grand bateau. Il s'agissait d'un navire de 40 mètres, reposant à 20 mètres de profondeur. Et ce qui a été très intéressant, c'est que nous avons pu retrouver les amphores en place telles qu'elles étaient à l'origine dans le chargement du navire. Et par exemple, sur cette photo, on voit très bien ici la partie centrale du navire qui a été entièrement dégagée. Nous sommes environ là à peu près au niveau de la troisième, de la quatrième ou cinquième campagne de fouilles. Et on voit très bien au premier plan la coque du navire qui est parfaitement bien conservée, le fond de la coque du navire. Puis ici, une coupe transversale à travers le chargement du bateau. Et on voit les amphores encore en place. Évidemment,
Dans les parties supérieures, les amphores ont subi le chambardement, enfin le bouleversement dû au naufrage, mais plus on descend, plus on retrouve les amphores en place. Il y en avait 6000 au total. Chacune d'entre elles mesurait 80 cm de diamètre et 1,60 m de hauteur. Elles pouvaient contenir plus de 60 litres de vin ou d'huile d'olive. Les scientifiques estiment que le navire transportait près de 400 tonnes de fret. Alors, il est certain que par l'importance de son tonnage, par les capacités nautiques qu'avait un bateau comme la Madrague de Gien, il est certain qu'un tel navire était apte à des navigations en haute mer et donc tout à fait apte à des navigations en direction de l'Inde ou de l'Orient. Ce commerce se développe à partir du 2e siècle avant Jésus-Christ, vraisemblablement du fait de marins grecs d'époque hellénistique, à la suite de la révélation, de la découverte du principe du système de la mousson. Un document décrivant cette nouvelle voie vers l'Orient est conservé à la bibliothèque de l'université de Heidelberg en Allemagne. Il s'agit d'un manuel rédigé en grec à l'usage des navigateurs, intitulé « Périple de la mer Érythrée ». Il décrit les ports, les escales et les vents le long de la mer Rouge, de l'Inde, de l'Indochine jusqu'à la mer de Chine. Les textes nous apprennent qu'effectivement, à l'époque romaine, eh bien, ce sont des centaines de bateaux qui, tous les ans, partaient pour l'Inde, notamment le sud de la péninsule indienne, du Deccan, pour aller chercher des produits précieux qui étaient ensuite ramenés et diffusés dans l'Empire romain et notamment à Rome, avec évidemment une très forte valeur ajoutée à ces produits. Ces textes mentionnent la découverte, par le marin grec Hippalos, d'un mode de navigation utilisant la mousson. Pour la première fois, les navires dont les voiles carrées étaient fixes pouvaient traverser l'océan Indien en 40 jours. Si l'on en ajoute 30 en mer Rouge, plus le temps nécessaire pour remonter l'antique canal de Suez creusé par les Égyptiens jusqu'à la branche orientale du Nil, et 2 semaines pour arriver à Rome, on voit que l'Inde était à 3 mois et demi seulement de navigation d'Ostie. Les navires marchands romains prenaient la mer en été pour l'Inde en utilisant le vent de sud-ouest de l'océan Indien. Ils quittaient l'Inde en hiver en s'appuyant sur les vents contraires pour regagner leur port d'attache. Le coût de transport par mer était beaucoup moins élevé que par voie terrestre, mais autrement plus aléatoire. Les côtes d'Arabie étaient infestées de pirates. Les navires qui avaient réussi à franchir la mer Rouge étaient livrés au typhon de l'océan Indien. Hérode, au sud de l'Inde. On y a découvert la trace de marchands romains du 2e siècle de notre ère. Il y a 10 ans, lors d'une excursion, une élève a trouvé une statue de l'époque romaine. Une tête d'Apollon. This is made of terracotta. And about what do you know about Roman god Apollo? In ancient days, only in there. Les marchands romains venaient en Inde pour chercher non seulement des produits locaux, mais aussi ceux que les réputés marins tamouls du sud de l'Inde importaient de Chine.
C'est à 40 km d'Hérode qu'a été retrouvée la statue d'Apollon. Selon le professeur Rajan, des raisons bien précises ont conduit les marchands romains à s'installer dans cette petite ville. Il y avait ici une carrière. On y trouve des pierres taillées, des semi-taillées et des pierres brutes, ce qui prouve qu'elles ont été travaillées sur place. Les cristaux étaient extraits sur ce site, à proximité du village. Les villageois les taillaient sur place, selon un procédé très peu différent de celui utilisé aujourd'hui. Dans les ateliers du pays, les cristaux sont taillés de manière artisanale. Les pierres brutes sont tout d'abord réduites à la bonne dimension, puis elles sont polies. Et finalement poncées en facettes. Cet améthyste provient des fouilles. Les artisans travaillaient sur une grande variété de pierres qu'ils transformaient en bijoux. La cornaline, très appréciée des Romains, était montée en collier. Des milliers d'entre eux ont été retrouvés dans les vestiges des villas et des tombes romaines. Les saphirs du collier de la fillette avaient été importés de Ceylan ou de Birmanie par les marchands tamouls du sud de l'Inde. Les riches romains se passionnaient pour les perles, les diamants, les topazes, les rubis et les bérylles. C'était une clientèle avide de bijoux. Pompéi, la cité soudainement ensevelie par le Vésuve. Ce que l'on sait de la vie quotidienne de ses habitants témoigne qu'ils avaient un goût prononcé pour les épices comme la cannelle et le poivre, les plantes aromatiques et médicinales telles le bois de santal et l'huile de palme. L'Empire romain produisait beaucoup de choses. Cependant, certains produits n'existaient pas dans l'Empire. Le poivre et les pierres précieuses, par exemple, venaient d'Inde. D'autres articles arrivaient bien entendu des régions orientales, mais aussi de Syrie et d'Égypte. Ici, à Pompéi, il reste de nombreuses traces de ce commerce. Les Romains sont devenus de plus en plus friands de denrées des pays lointains. Les auteurs rapportent que l'on donnait des banquets où on servait du foie gras, des ragoûts de crête de coq, des escargots engraissés au vin cuit, des huîtres du lac Maricello, des murènes par centaines. On pouvait, en un seul festin, comme le banquet triomphal de Lucullus, consommer 3 millions de litres de vin dans des coupes d'améthyste et déguster du cochon farci. L'historienne Eugénie Prima Ricotti Salza, spécialiste de la cuisine antique, a reconstitué un repas d'époque. Le poivre, venu d'Inde, était utilisé dans pratiquement tous les plats romains. Il lui accordait une grande importance pour ses vertus toniques et aphrodisiaques.
normale. C'était un produit si courant qu'il fut exempté de taxes. Cette sauce verte est un mélange de poivre noir, de céleri, de pignon de pin, de vin et d'huile d'olive. Ce flan, largement saupoudré de poivre, constituait un dessert rare. Le poivre était également apprécié pour ses propriétés médicinales. Il faut bien voir que c'est avant tout une demande romaine. Ce sont les Romains qui sont allés chercher des produits exotiques qui leur paraissaient merveilleux en Orient, surtout à partir du règne d'Auguste, quand l'élite romaine est devenue fabuleusement riche. Et ils ont été chercher en Orient, en Inde principalement, des pierres précieuses, des perles et des bérylles. Ils ont été chercher des épices, principalement du poivre, et puis, venant de plus loin, de Chine principalement, de la soie qui arrivait du côté du Bangladesh actuel et puis qui descendait le long des côtes de l'Inde, traversait la pointe de l'Inde et pouvait être réembarquée dans les ports de la côte occidentale. Pour faire ces échanges, ils apportaient sans doute un certain nombre de produits de troc, un peu de vin, des choses de ce genre-là, mais principalement de l'argent monnayé. Et c'est pour cela qu'on a trouvé beaucoup de trésors monétaires romains en Inde. Il y a 6000 deniers d'argent romain découverts en Inde et à peu près un millier de pièces d'or. Les Romains achetaient chaque année en Inde pour 50 millions de sesterces de marchandises, soit l'équivalent aujourd'hui d'environ 500 millions d'euros. Le considérable volume des échanges avec les Romains a profondément bouleversé les structures sociales de l'Inde. De nombreuses villes indiennes entretenaient des échanges commerciaux avec Rome, essentiellement assurés par les marins tamouls. La manne d'or romaine a participé des relations privilégiées entre marchands indiens et romains, créant les conditions idéales pour l'établissement de relations diplomatiques. C'est à cette époque que Pline mentionne l'arrivée à Rome d'un ambassadeur de Ceylan. C'était en fait une espèce de partenariat entre les marchands indiens et les marchands romains. L'Empire romain et les empires de cette partie du monde ayant associé leur commerce, cela a permis une compréhension mutuelle et le rapprochement entre les deux empires et a favorisé ainsi l'exportation et l'importation. À l'époque d'Auguste, environ 120 bateaux croisaient dans le seul océan Indien. Non seulement les marins tamouls assuraient le commerce entre la Méditerranée et l'Inde, mais encore ils poussaient leur navigation vers la Terre d'Or, autrement dit l'Indochine, puis franchissaient le détroit de Malacca pour atteindre la Chine. Le volume des échanges était considérable. Les Romains cherchaient en Inde des épices et des pierres précieuses, les Indiens, en retour, de l'or. Après s'être ouvert le commerce avec l'Inde, pour atteindre la Chine, les marchands romains se sont trouvés contraints de prolonger leur réseau maritime. Le sarcophage recélait d'autres informations de nature à éclairer les relations entre l'Empire romain et l'Orient. Un minuscule morceau d'étoffe de soie avait intrigué les chercheurs. À droite, l'image agrandie de ces fibres a montré que les fils étaient tissés comme seuls savaient le faire les Chinois.
Il a été très intéressant de découvrir qu'elle portait de la soie lorsqu'elle a été inhumée. Proprio a contatto con il corpo, quindi probabilmente poteva essere forse un abito che la bambina indossava al momento della sepoltura. Conferma anche il fatto che si trattasse di importazione. Cela confirme que cette étoffe provenait de ce que l'on appelait la route de la soie, qui était très fréquentée dès le deuxième siècle après Jésus-Christ. Secondo secolo dopo Cristo. La soie était précieuse aux Romains, au point que teintée en pourpre, elle coûtait son poids en or. Il croyait qu'elle était d'origine végétale. Virgile évoque à son propos de fines toisons que les Chinois enlèvent avec des peignes aux feuilles des arbres. Erreur qui fait saisir combien le monde occidental ignorait le monde oriental. En 50 ans, cette matière qui venait du bout du monde est entrée dans les mœurs romaines jusqu'à devenir indispensable à toute grande maison. Il en sera fait un usage si considérable qu'à la mort d'Auguste, un décret du Sénat en limitera le port aux femmes. Les Romains l'échangeaient aux Chinois contre de la verrerie colorée dont ils raffolaient. Les marchands romains avaient essaimé des comptoirs le long des côtes de la péninsule indochinoise, dont ils avaient confié la gestion à des mandataires tamouls ou indiens. C'est à travers ces comptoirs que les Romains ont ouvert une liaison maritime avec le Vietnam et la Chine. La région du delta du Mékong était occupée par les Khmers et les Cham, des populations maritimes. Elle appartenait au royaume de Funan, sous influence chinoise. Le village d'Eo Ok se trouvait autrefois sur un affluent du Mékong. Les Romains ne s'aventuraient pas eux-mêmes dans ces régions. Ils se faisaient représenter par leurs mandataires qui achetaient les marchandises avec de la monnaie romaine ou les troquaient contre du verre coloré, du corail méditerranéen et de l'encens d'Arabie. C'est en 1944 que les ruines d'un temple et de ce qui semble avoir été des bains publics ont été mises à jour. Il se trouverait à l'emplacement de l'antique port de Katigara, mentionné par Ptolémée. Lorsque les marchands indiens sont arrivés, la région s'est développée. Ils ont aidé à l'édification des bâtiments. On en a retrouvé les ruines. Ils ont aussi travaillé avec les Vietnamiens pour construire une ville importante. Elle possédait même son propre port. Pour un bateau qui partait d'Inde pour la Méditerranée, 100 partaient vers la Chine. Témoin de ces échanges, ce miroir chinois en cuivre du deuxième siècle de notre ère, retrouvé sur les côtes vietnamiennes. On a également retrouvé des étiquettes en bronze portant en langue indienne la mention « objet de valeur » et « fragile ». Elles étaient sans doute destinées à des ballots et des caisses. Partie d'Indochine, la route maritime atteint enfin les ports chinois de Canton et de Changcheu, près de Shanghai. En 166 de notre ère, des voyageurs romains arrivent à la cour des Han.
Ces voyageurs rencontrent les représentants d'une dynastie puissante qui règne depuis près de 4 siècles sur l'Empire du Milieu. Elle a unifié la Chine et stabilisé ses frontières. La paix instaurée, le développement économique assuré, l'Empire voit s'éclore une extraordinaire vie culturelle et artistique. Apparaît ce qui sera la première époque du classicisme chinois. Des pèlerins bouddhistes entreprennent de traduire les premiers sutras qui ne seront imprimés que 7 siècles plus tard. Le chroniqueur des Han mentionne l'Empire romain sous l'appellation de Tiao Che. Étrangement, pour lui, tous les Romains sont des jongleurs. Il écrit aussi que l'Empire romain ne pouvait utiliser la route terrestre pour faire du commerce à cause des Parthes qui voulaient monopoliser le commerce de la soie. Il fait état de la solution apportée par les Romains, l'ouverture d'une route maritime entre Rome et la Chine. Il la décrit partant du pays des jongleurs, à l'ouest de la Perse, allant jusqu'à l'Inde du Sud, d'Inde du Sud à l'Indochine pour arriver sur les côtes chinoises. C'est aussi par bateau que, venus d'Inde, des missionnaires ont apporté le bouddhisme en Chine. Cette route maritime, évoquée par le chroniqueur, est demeurée, jusqu'en l'an 73, la seule voie praticable pour relier la Chine à Rome, puisque les voies caravanières étaient fermées. Auguste s'éteint en 14 de notre ère. Il est inhumé à Rome. À l'entrée de son tombeau, une épitaphe rappelle les exploits du divin Auguste. Elle précise qu'il fut le premier empereur romain à avoir accueilli des ambassadeurs indiens. Il est loué pour son rôle historique dans l'établissement et le développement du commerce entre Rome et l'Inde. Après cette longue période de prospérité, l'Empire voit s'ouvrir une grave crise économique. Les Romains dépensent sans compter. L'or quitte Rome pour s'écouler en Orient à un rythme tel que le pouvoir se voit contraint de prendre des mesures de restriction des importations. En effet, l'Empire disposant peu ou prou de produits d'exportation, les termes de l'échange sont fortement déséquilibrés. Les inégalités sociales se creusent, le pouvoir central s'affaiblit. Les conquêtes sont finies. Les crises économiques successives sapent peu à peu les fondements de l'Empire. Il n'a plus pour recette que l'or de Dacie et d'Espagne. Mais en Espagne, justement, l'or de Las Medoras s'épuise. Le déclin de Las Medoras a entraîné dans l'Empire romain une crise économique grave. La production régulière de monnaie, fondamentale pour l'économie, s'est avérée compromise. Il était alors devenu difficile de maintenir les activités commerciales d'une part et les dépenses militaires d'autre part. Rome la frivole, qui dispense des fortunes en produits de luxe, ne peut même plus faire face à ses dépenses militaires. Elle doit pourtant entretenir ses 400 000 légionnaires qui gardent ses interminables frontières.
sans compter les campagnes contre les Perses menées sur le front de l'Euphrate, loin de la capitale. En fait, Rome n'a plus les moyens de ses ambitions. Son déclin est amorcé. Le centre de gravité de l'Empire se déplace vers l'Orient. En 324, l'empereur romain Constantin transfère sa capitale sur les rives du Bosphore. Elle est plus proche d'Antioche et d'Alexandrie que Rome. Il adopte le christianisme comme religion officielle de l'Empire. Après sa mort, la nouvelle capitale est baptisée Constantinople. En 395, l'Empire est coupé en deux. Celui d'Orient, appelé aussi Empire byzantin, et celui romain d'Occident, qui va sombrer dans le chaos avant de disparaître en 476 sous les vagues successives de barbares venus de l'Est. En fait, l'Empire byzantin est le véritable successeur de l'Empire romain. Il durera 1000 ans. Un nouveau cycle d'histoire commence pour l'Eurasie.